Le livre qui a marqué le plus mon adolescence, c'est l'autobiographie de Jackie Robinson, qui est le premier noir à avoir joué au baseball. Puis moi, à cet âge-là, mais c'était mon rêve de me rendre à l'international. Je n'avais pas vraiment de modèle pour me rendre là parce qu'il n'y avait pas de noir à l'international. Puis quand j'ai lu son livre, c'est ça qui m'a vraiment inspiré de continuer à forcer puis à foncer dans mon rêve. Enfin, je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je pourrais écrire un livre pour pouvoir encourager des minorités à percer dans le hockey, même s'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, de rôle modèle. Alors, vraiment, je peux dire que ce livre-là m'a aidé à percer dans mes rêves. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a mis entre les mains? Vous l'avez découvert tout seul? Non, j'ai découvert par coïncidence. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune que ça, j'avais lu la version bande dessinée de son autobiographie. OK. Puis vraiment, j'avais été intrigué. Puis en étant plus vieux, c'est quand tu me laisses bande dessinée de côté, c'est là que j'ai tombé sur sa vraie autobiographie. Puis vraiment, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours.